Oh, oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va se pencher un peu sur la psychologie évolutionniste ou évopsie. Une approche scientifique assez nouvelle, puisqu'elle a connu une certaine popularité dans les 30 dernières années. Dans cette vidéo, je vais employer très souvent le conditionnel comme temps de conjugaison des verbes. Pour de plus en plus sur le concept qui gouverne cette discipline, je vous invite à voir les vidéos du youtubeur Homo Fabulus dont je salue le travail puisqu'elles permettent de relativiser tout un tas d'idées préconçues sur l'évopsie et qui permettent aussi d'éviter de la réduire à ce genre de propos débiles. Le discours d'un débile de droite. Bon, en même temps, quand on voit les propos de Juju Rojdi sur l'histoire, je pense qu'il est raisonnable de ne pas lui accorder trop d'importance quand il parle de science. L'évopsie permettrait d'expliquer, entre guillemets, scientifiquement, les comportements humains et les dynamiques des populations grâce à la théorie de la sélection naturelle de Charles Darwin. En gros, nos comportements et l'organisation sociale qui en découle seraient rattachés d'une certaine façon à la survie et à la reproduction des individus. Il est tout à fait admis que certaines émotions simples comme la peur ou le dégoût présentent un avantage évolutif. La peur prépare à la fuite, le dégoût nous éloigne des agents pathogènes, en effet lorsque vous voyez cela, vous avez tendance à reculer là où une mouche y voit un excellent repas. Cependant, l'évopsie ne s'arrête pas là. Elle prétend aussi pouvoir expliquer d'autres comportements bien plus complexes comme la morale par exemple l'évopsie prétendrait donc être capable de définir partiellement ou totalement, au même titre que la gravité ou l'électromagnétisme, ce qu'est la nature humaine de façon scientifique. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas parler de ce qu'a produit l'évopsie ces 30 dernières années, mais plutôt discuter les concepts mêmes sur lesquels s'appuie cette discipline. Attention, cette vidéo est loin d'être exhaustive. Il s'agit de vulgarisation, mais je pense qu'elle peut permettre une première approche pour comprendre pourquoi l'évopsie n'est plus vraiment prise au sérieux. God... L'évopsie est une discipline qui revendique être transdisciplinaire c'est-à-dire qu'elle se trouverait à la croisée de plusieurs disciplines spécialisées comme la psychologie, la sociologie, la biologie évolutive, la génétique, l'anthropologie ou la philosophie. À titre personnel, je trouve cette approche très intéressante. Je pense en effet que de croiser les approches des différentes disciplines peut permettre de les améliorer, complétant les lacunes de l'une par les données de l'autre. Pour les vopsies, les comportements humains aurait été sélectionné depuis le pléistocène, c'est-à-dire il y a plus de 2 millions d'années. Combien De 2 millions d'années. Pour un psychologue évolutionniste, les contraintes que l'environnement posait sur nos ancêtres au pléistocène étaient suffisamment stables dans le temps et dans leurs caractéristiques pour que la sélection naturelle puisse faire effet. Cette hypothèse de départ constitue déjà un premier problème. En effet, nous n'avons que très peu de données sur la façon dont vivaient nos ancêtres il y a 2 millions d'années. Et certaines découvertes sembleraient dire que la contrainte environnementale était loin d'être stable. Bref, le manque de données anthropologiques implique de beaucoup spéculer sur les comportements humains à cette époque. Et la spéculation, vous le savez, en général, c'est pas terrible en science. Dans la tête, on a un sens moral, mais on a aussi plein d'autres algorithmes. Des algorithmes qui nous poussent à protéger notre réputation, protéger notre famille, ne pas mourir de faim, ne pas mourir de soif, trouver un ou une partenaire avec qui passer sa vie, etc., etc. Et donc, ce que doit faire notre cerveau mille fois, cent mille fois par jour, c'est composer avec les sorties de tous ces algorithmes pour décider quel comportement adopter. En évopsie, on considère que l'esprit serait, un peu comme un ordinateur, la somme de petits programmes, d'algorithmes spécialisés et relativement indépendants les uns des autres qui auraient été sélectionnés depuis le Pléistocène. Cette approche, qui se nomme modulation massive, serait comparable à la spécialisation des organes du corps ou la spécialisation du travail dans notre société capitaliste. Alors je ne vais pas développer plus ce, ce concept de module algorithme sélectionné par Dame Nature, mais il est bon de rappeler ce que ne fait pas Homo Fabulus, que ces concepts sont très loin, mais alors très loin de faire l'unanimité dans la communauté scientifique, que ce soit en sciences cognitives ou en biologie évolutive. En effet, s'il y a eu une pression de sélection sur le cerveau, chose qui je le rappelle, n'est absolument pas prouvé, hein. elle aurait probablement favorisé un programme généraliste capable d'assimiler et résoudre rapidement des tâches relativement proches, plutôt que de créer ou d'éliminer des petits modules spécialisés. Cela s'explique par l'idée qu'il est certainement moins coûteux de modifier un programme préexistant en l'adaptant, plutôt que de faire émerger de nouveaux petits modules spécialisés. Alors, si vous voulez avoir plus de détails sur toutes les critiques qui sont faites au concept de modularité massive, je vous renvoie à cet article dont je mets le lien dans la description. Bref, concernant ce principe cher en évopsie qu'est la modulation massive, retenez juste qu'il est loin, mais alors très loin de faire consensus dans la communauté scientifique. Et le problème est que si cette notion de modulation massive n'est plus valable alors, l'adaptationnisme des comportements, deuxième grand concept de l'évopsie, n'a alors plus aucun sens. En évopsie, on défend l'approche adaptationniste des comportements humains. Approche qui, je le rappelle, n'a hein, de sens que si la modularité massive est prouvée ce qui n'est pas le cas. Les comportements humains seraient soumis à la sélection naturelle. Là encore, il apparaît difficile de définir les conditions de vie et les comportements de nos ancêtres compte tenu du faible nombre de données que l'on a sur cette époque, obligeant les psychologues évolutionnistes à spéculer sur celle-ci. D'autre part, tout n'est pas adaptatif. Il est beaucoup plus difficile que l'on croit de différencier adaptation, coadaptation, bruit, etc., comme l'explique très bien Homo Fabulis dans cet extrait. Et c'est vrai qu'il faut faire attention à ne pas voir des adaptations partout, parce que les êtres vivants ne sont pas constitués que d'adaptations. Dans cette même vidéo sur les lunettes, on avait vu qu'à part être une adaptation, un trait pouvait être un sous-produit d'adaptation, ou le résultat de bruit. Les adaptations sont les produits de la sélection naturelle, les traits qui ont évolué parce qu'ils augmentaient les chances de survie. Les sous-produits sont les traits qui sont liés à une adaptation mais qui n'augmentent pas directement les chances de survie. Un sous-produit est un trait qui a fait du stop avec une adaptation si vous voulez. La couleur de votre sang, c'est aussi un sous-produit. Le fait que votre sang soit rouge n'augmente pas les chances de survie en soi, c'est simplement la conséquence indirecte de la présence d'hémoglobine dans votre sang qui, elle, augmente les chances de survie. Et enfin, troisième catégorie de traits, les produits du hasard, ou comme les appellent les ingénieurs, le bruit. Le bruit concerne tous les traits qui ne sont ni des adaptations, ni des sous-produits, les traits qui ont été conservés parce qu'ils étaient le résultat de mutations neutres ou de contraintes développementales et historiques diverses. Un vestige d'anciennes adaptations, comme l'os du coccyx, ça pourrait aussi être considéré comme du bruit. L'os du coccyx ne sert plus à rien aujourd'hui, et il n'est pas lié à une adaptation utile aujourd'hui, c'est simplement la relique d'une époque où nos ancêtres avaient encore une queue. Bref, la méconnaissance du passé rend très difficile la détermination d'un caractère adaptatif ou non d'un comportement. D'autre part, la notion de dérive génétique n'est pas ou peu abordée en évopsie. Pour information, la dérive génétique est l'évolution d'une population ou d'une espèce causée par des événements aléatoires impossibles à prévoir, indépendamment des mutations et de la sélection naturelle. Tout comme la modularité massive, cette notion d'adaptationnisme des comportements est loin de faire consensus dans la communauté scientifique. Là encore, je vous renvoie vers cet article. Alors, je voudrais revenir sur ce petit passage dans une vidéo de Homo Fabulus. En croire certaines personnes, pour montrer que quelque chose est une adaptation, il faudrait montrer l'existence d'un design, montrer que ce design est universel, montrer que ce design augmente les chances de survie ou de reproduction, montrer qu'il augmentait aussi les chances de survie ou de reproduction il y a 100 000 ans, connaître tous les gènes qui sont derrière ce design, montrer que ces gènes ont augmenté en fréquence ces derniers milliers d'années. Connaître précisément l'environnement dans lequel ces gènes ont augmenté en fréquence, etc., etc. Tout ça pour dire que si vous voulez être particulièrement exigeant sur vos critères de ce qu'est une bonne science, allez-y. Mais appliquez les mêmes critères à toutes les sciences. Eh bien non, parce que les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. C'est une chose de faire une étude sur le comportement des fourmis ou sur l'achat frénétique de rouleaux de PQ pendant la crise du Covid, c'en est une autre de prétendre pouvoir expliquer scientifiquement la nature humaine au même titre que la gravité ou l'électromagnétisme. En effet, compte tenu des enjeux, et particulièrement politiques, hein, si l'on prétend pouvoir expliquer la nature humaine, alors il faut des preuves autrement plus robustes que celles fournies par l'évopsie, dont les principes de base, je ne parle même pas des résultats des études qui souffrent de la crise de la réplicabilité, mais des principes de base que sont la modularité massive et l'adaptationnisme des comportements, sont très loin de faire consensus dans la communauté scientifique. Et je vous l'avoue, je ne comprends pas comment un garçon comme un serment qui se présente comme un grand défenseur de la bonne science bien dure valide ce genre de théorie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si la nature humaine était bien définie, alors il apparaîtrait facile pour certains dirigeants de promouvoir le darwinisme social par exemple et de répondre aux opposants ta gueule, c'est la nature. Exactement de la même façon que l'on disait au Moyen Âge ta gueule, c'est Dieu. Pour éviter tout malentendu, hein, je ne dis pas que Homo Fabulus souhaite le darwinisme social. Même si on retrouve beaucoup de termes spécifiques à l'idéologie libérale dans son discours, hein, mérite, compétition, loi naturelle, propriété privée, etc. Pour conclure, quand on prétend être en mesure de définir la nature humaine, il faut apporter des théories et des résultats autrement plus robustes que ceux qu'apportent les compte tenu des conséquences que ça implique, et notamment de la récupération politique d'un tel discours. Après, je pense qu'il ne faut pas pour autant cracher sur les chercheurs comme Homo Fabulus, qui ont choisi d'explorer cette voie parce que, comme le dit Étienne Klein, et donc, il est normal que parmi les hypothèses qu'on envisage, certaines soient justes, certaines soient fausses. Et euh, ceux qui ont envisagé des hypothèses fausses ne sont pas moins utiles que ceux qui ont imaginé des hypothèses vraies. Au contraire. Même si cette discipline semble, à mes yeux, hein, je dis bien à mes yeux, être plus proche d'une pseudo-science visant à légitimer le système en place. Mais ça, ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Les différentes recherches que j'ai faites autour de l'évopsie m'ont amené à me poser une question, à savoir est-il encore pertinent d'analyser les comportements humains et les organisations sociales qui en découlent à travers le prisme de la sélection naturelle En effet, à part les pressions environnementales que l'on s'impose à nous-mêmes, hein, réchauffement climatique, guerre, etc., l'espèce humaine ne semble plus être soumise à la sélection naturelle. L'homme n'a plus de prédateurs, la nourriture n'est plus un facteur limitant. Attention, hein, je précise que si on meurt encore aujourd'hui de faim, euh, c'est avant tout lié à une mauvaise redistribution des ressources qu'à une pénurie de nourriture. Et enfin, on a colonisé l'ensemble de la planète et sommes capables de vivre sur tous les continents grâce à la technologie. Bref, je me demande pourquoi vouloir expliquer notre comportement et les organisations sociales à travers le prisme de la sélection naturelle, si ce n'est pour justifier le système de domination actuel, lui-même basé sur des prétendues lois naturelles. Allez, à la prochaine